se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul. Alors déco, organisation, alors déco chambre de bébé, déco automne, voilà. Je vous ai fait le fameux petit coin cosy, j'espère que ça vous plaît. Voilà, Anthony m'a installé la guirlande en hauteur parce que impossible, j'ai essayé moi-même, non, c'était pas possible. Donc il a installé la petite guirlande derrière. Et du coup ça fait un petit coin sympa, donc désormais pour faire les hauls, tout ça, je vous prendrai là. Ce sera plus cosy, voilà, on va dire. Donc ouais, j'ai fait une petite sélection, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de commande Shein, et là j'ai trouvé plein de belles choses pour l'automne, pour la chambre du bébé, voilà, de la petite princesse. J'ai trouvé des choses, je vous dis, pour l'organisation, des choses assez fonctionnelles, mais vraiment toujours à des prix tout petits. J'aurai un code promo à vous donner et je vous mettrai tous les liens. Comme d'habitude, dans la barre d'infos, je vous écrirai absolument tout. Comme ça, vous pourrez retrouver l'article plus facilement. Donc là, je vais commencer, enfin, c'est un petit peu mélangé. Enfin, je vais essayer de faire par catégorie, mais là, je vois que c'est un petit peu mélangé. Donc bref, on va essayer de faire ça bien quand même. Donc là, j'ai pris un tapis comme ceci. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. Il est trop beau. Ça, c'est pour mettre dans l'entrée. Vraiment, je suis trop fan. Il est grand en plus, il est pas mal. Donc je vous mets de toute façon, je vous dis toutes les références dans la barre d'infos. Comme ça vous aurez toutes les tailles, vous aurez tout, vraiment tout expliqué. Donc voilà pour le premier produit que j'ai pris. Je vais vous montrer là maintenant pour la chambre du bébé. Donc je vais trouver un petit coussin comme ceci. Je l'ai trouvé trop mignon, trop chou. Voilà, donc il a un côté comme ça avec l'arc-en-ciel. Les petits, enfin le petit cœur là, les deux petits cœurs de ce côté là. Et de l'autre côté c'est rose, donc soit vous le mettez comme ça en mode simplicité tout rose, soit vous le mettez en mode très coloré comme ça. Donc ce coussin là je pense qu'il ira dans le lit tout simplement, ou bien sur le canapé. Je sais, franchement je sais pas trop encore, comme on n'a pas tout meublé, je sais pas trop. Mais je sais que ça c'est quelque chose qui va me plaire, parce que je l'avais déjà vu et je trouve que c'est trop mignon. J'ai trouvé donc un tapis imitation fourrure, voilà, mais c'est pas comme d'habitude. Est-ce que je vais réussir à vous le montrer de manière... En fait, c'est un nounours. Alors ça, c'est les pattes. Je vous le montre à l'envers. C'est les pattes. Et là, c'est le haut. Vous voyez? La tête du nounours. C'est trop mignon. Trop mignon. Je vais essayer de le mettre par terre et de vous montrer mieux. En fait, c'est un nounours, tout simplement. Et pareil, il était vraiment pas cher. La couleur, j'aime trop. C'est vraiment un rose que j'adore. Voilà, je sais pas si ça rend bien, parce que là j'ai mis l'éclairage juste derrière, parce que la luminosité dans la chambre, par contre, c'est la cata, donc je suis obligée de sortir l'anneau là de lumière. Mais du coup, je sais pas trop si vous voyez bien les couleurs. Donc là, c'est un rose, un super beau rose, vraiment le rose bébé, enfin voilà, j'aime trop. Pour la chambre de la petite, des toiles comme ça, elles sont magnifiques. J'en avais acheté déjà chez eux des toiles que j'avais mises dans le couloir. Je vous avais montré, c'était écrit famille et lit. Il y avait les trois parties et franchement de très bonne qualité. Là, il faut juste que j'aille acheter les cadres chez Action. J'y étais hier. Je savais qu'il me fallait ça et j'ai complètement oublié. J'ai pas, c'est pas que j'ai oublié dans le magasin, c'est que j'ai oublié avant de partir de prendre les bonnes mesures. Donc là, vous voyez. On a un koala comme ça avec un chewing gum. Donc ça, je pense que... Enfin, je suis pas sûre encore. Mais soit je mets au-dessus du canapé, soit je dispatche un peu partout dans la pièce. Je sais pas trop. Parce que vous avez le koala comme ça. Ensuite, franchement, même la qualité de la toile, elle est parfaite. Nickel. Donc le koala. Ensuite, vous avez la girafe. Trop mignonne. Et là, vous avez le panda. Trop mignonne également. Enfin, trop mignon. Trop mignon le petit panda. Donc voilà, avec le petit nœud dans les cheveux et tout. Enfin vraiment trop trop petite fille en fait. C'est vraiment ce que je voulais. Et je savais pas trop à quoi m'attendre, parce que bah l'étoile c'est toujours un peu particulier. Et franchement nickel, c'est conforme à la photo, c'est pareil. Donc là il faut juste que je trouve la bonne dimension du cadre. Et je vais installer ça cette semaine de toute façon. Donc je vous montrerai tout ce que je vous montre là en action, on va dire, dans la semaine. Vraiment je vais tout vous montrer. Plein de stickers. Et j'en avais déjà acheté chez eux. Et en fait, quand je les mets sur la tapisserie, que je les retire, il n'y a pas de souci en fait. J'ai pas de problème, ça n'arrache pas la tapisserie. J'ai pris des petits lapins. Trop beau. Les stickers, j'avais un peu peur. Je me suis dit, est-ce que ça va être conforme à la photo? Et franchement, vous allez voir, c'est magnifique. Regardez, le lapin. Les petits oiseaux. Après, vous les mettez, vous les dispatchez comme vous voulez. Regardez la beauté des stickers. Oh, je suis trop contente, j'ai trop hâte de mettre ça en place. C'est magnifique.
voyez, les dessins, le dessin, le comment dire, les détails et tout, c'est trop beau. Je sais pas si vous voyez bien. C'est trop joli, j'aime trop. En fait, ça c'est le, c'est comment dire, c'est le modèle, ce à quoi ça doit ressembler. Mais moi, je pense que je vais pas faire comme ça. Je vais mettre un lapin à un endroit et je vais voir par rapport à la table allongée. Enfin, vous voyez, je vais faire un effet de style. Enfin, je vais essayer de faire un truc sympa. Mais vraiment, j'ai trop craqué. Trop craqué pour la beauté. Pour la beauté du sticker. Franchement, magnifique. J'en ai pris plusieurs modèles. Parce que je voudrais en mettre un petit peu partout. Vu qu'on a pris une tapisserie sans motif, neutre. Comme je vous disais l'autre fois dans la vidéo. Donc, bah, je vais apporter un petit peu de comment dire, de touche bébé, girly, tout ça. Avec les stickers. Donc, voilà. Ça, je pense, ça va être sur le côté. Sur le côté du dressing, je vais mettre ce joli sticker là. C'est un petit lapin, trop beau, avec un petit papillon. Voilà, sur le côté du mur, sur la partie blanche, je mettrai celui-là. Et là, celui-là, je ne l'ai pas encore ouvert. J'ai reçu ma commande là, il n'y a pas très longtemps. Donc, il y a des choses que je n'ai pas encore regardées. Donc, je vais regarder ça avec vous. Je pense que ça... Oh là là, c'est trop beau. Ça, c'est trop, trop mignon. J'aime trop. Franchement, c'est trop beau. Regardez, c'est un nounours, comme ça, enfin, il y a plusieurs nounours, il y a trois nounours, ça au-dessus du lit par exemple, oh, magnifique, franchement regardez avec les lunes, la lune, les nuages, je sais pas si vous voyez, nuages, lune, c'est incroyable, franchement, les stickers sur leur site, mais pas cher en plus, c'est pas comme si c'était des décos ultra chères et que j'allais me ruiner pour faire la déco, là vraiment c'était vraiment pas cher du tout. Donc je vous mets tous les liens et je vous dis ça, je pense que je vais mettre ça au-dessus, enfin, je sais pas. Je voulais mettre ça au-dessus du lit à barreaux, mais en fait vu que je vais mettre un ciel de lit, peut-être que je vais mettre ça en décalé. Ou sur le côté. En tout cas, je vais trouver un endroit avec la lune et tous les petites étoiles. Je vais trouver un endroit, c'est certain. Mais franchement, trop magnifique. Ça vraiment, je vais me sentir trop bien dans cette pièce-là. Enfin, ça va être vraiment très bébé et tout. Là, pour la déco bébé, c'est tout. Voilà, mais c'est déjà pas mal. Parce que franchement, déjà, je vais mettre tout ça. Le but, c'est pas non plus de trop charger, comme je vous disais l'autre fois. Sachant qu'il nous reste encore le lit à mettre dans la pièce. Alors, on sait pas si on prend un lit combiné. Vous savez, le lit et la table allongée évolutive, ça se module au fur et à mesure, vous pouvez le transformer, etc. Ou alors si on prend un lit et une table allongée, parce que vraiment, il me faut une table allongée, c'est indispensable pour ranger les couches, pour ranger tout le nécessaire, vous savez, pour le nettoyage du cordon et tout. Je veux avoir tout, mon petit nécessaire pour la toilette et tout. Ensuite, j'ai pris un organiseur, comme ça. Il est trop trop sympa. Alors ça, pareil, je sais pas si je le mets pas dans la chambre du bébé, justement. Parce qu'en fait c'est un plateau. Plateau tournant, j'aime trop. J'aime trop. C'est un plateau, système de plateau comme ça, vous voyez. Et après vous avez des petites choses comme ça à piquer à l'intérieur. Et en fait c'est un plateau sur étage. Et là vous pouvez ranger tous vos produits de beauté. Vous pouvez ranger voir dans le frigo. Vous pouvez mettre les sauces, tout ça. C'était vraiment vraiment pas cher. Ça vaut trop le coup. Ça, je vais continuer avec l'organisation. Là j'ai pris, alors, deux petits sets comme ça, ça c'est pour le voyage, voilà, et celui-là il est vraiment trop bien. Pour les prochaines vacances, ça va être parfait. À l'intérieur, vous avez la trousse comme ceci, vous voyez à l'intérieur, la couleur elle est trop belle, voilà, j'aime trop, c'est du rose. Je vais mettre quoi? Est-ce que, ah ouais, eux ils mettent wash bag en plus, donc c'est un sac qui va, oui, il va être lavé, mais ça va être pour tout ce qui est dentifrice, brosse, petit miroir et tout. Franchement, pourquoi pas? Pourquoi pas tout simplement mettre ça à l'intérieur. Ensuite, vous avez un petit pochon comme ça, trop mignon, pour mettre vos sous-vêtements, par exemple. Voilà, j'adore la couleur. Franchement, la couleur, c'est magnifique. Vous voyez, comme ça. Et ça se resserre juste là, comme ceci. Ça va être trop mignon dans la valise. Ensuite, j'ai un autre petit truc comme ça, là. Qu'est-ce que c'est? Voilà, bah après ça je connais, ça c'est pas mal. Ensuite vous avez toutes ces petites pochettes là, comme ceci, vous voyez, pour pouvoir mettre à l'intérieur tous les pantalons par exemple. Et franchement, bien plier tous les pantalons rentrent à l'intérieur, j'avais fait l'expérience, enfin je fais l'expérience à chaque fois qu'on part, et j'arrive à faire une pochette, une catégorie. Donc voilà, nickel, ça on va tester ça en octobre, puisque normalement on part en octobre, donc je vous montrerai tout ça en action.
Pareil, une autre pochette un petit peu plus grande, comme ceci, pour mettre par exemple les petits pulls, voilà les petits pulls fins. Vous avez ensuite une pochette comme ceci, voilà, pour mettre, je sais pas, les accessoires, par exemple les chouchous, ce genre de choses. Ensuite, vous avez une autre pochette, vraiment c'est ultra complet, le kit là il est très complet. Une autre pochette donc, qui s'ouvre pour mettre vos chaussures par exemple. Et là vous avez une autre pochette comme ça, non il y en a encore une autre. Là une autre pochette qui s'ouvre comme ceci pour ranger encore une autre catégorie de vêtements. Je sais pas, les jupes par exemple, ou les shorts, ou si vous voulez mettre les collants, enfin voilà. Enfin voilà, il y a plein de possibilités, à chaque fois on ne sait pas trop comment ranger. Et là vous avez encore une autre pochette. Et j'aime trop le système pour refermer ensuite, vous avez des petites pressions. Donc vous pouvez refermer ensuite votre pochette de manière à pouvoir la compacter comme ça quand vous la rangez une fois que c'est terminé les vacances. Voilà, on range et ça prend pas beaucoup de place. En fait ça c'est pareil, j'ai pris ce système là pour un des enfants. Je sais pas trop. Je vais regarder parce que je sais plus à qui il manque quoi en fait. Et donc c'est le même système que l'autre. Voilà, je vais vous montrer rapidement. Sauf que là c'est pour les enfants. Ça fait un peu moins girly. Voilà, surtout qu'Arthur il aime pas du tout le rose. Mais pas du tout du tout. Donc à l'intérieur vous avez plein de choses encore. Ah franchement il est trop bien. Vous avez une pochette comme ça pour mettre pareil encore une fois les vêtements. Différentes catégories de vêtements. Vous avez toutes les tailles de pochettes. Vous avez celle-ci pour mettre les chaussures. Là pour mettre les pantalons. Et la très grande. Là vous pouvez mettre les pulls. En octobre je pense qu'on aura un petit peu plus froid. Tant mieux, et du coup voilà, là ça va rentrer nickel pour organiser les valises, c'est trop bien, même quand on arrive en vacances, vous sortez chaque pochette, vous les mettez, même si vous n'avez pas forcément envie de tout enlever, de tout mettre dans les placards, ne serait-ce que sortir les pochettes, vous êtes tranquille, vous n'avez plus qu'à piocher après, c'est parfait. Plusieurs petites choses sympas, franchement ils ont des choses magnifiques sur leur site, donc là j'ai pris cette plaque, trop mignonne, alors je pense que je vais la mettre dans la cuisine, elle s'accroche, soit vous l'accrochez comme ça, soit vous la posez, faites comme vous voulez, elle est magnifique, vraiment à l'américaine, trop mignonne, avec la cueillette des citrouilles, trop mignon. Et là j'ai tout un pack, qui c'était vraiment pas cher, pour vous savez, customiser les saladiers à étages, vous savez, je vais vous montrer, j'en ai un, bah, justement celui d'IKEA. Et du coup vous pouvez faire de super belles décos, même dans un coin coffee station, tout ça. Vous pouvez tout customiser grâce à ça. Donc je vous montre. Dans le kit, vous avez des petites plaques comme ça. Pumpkin. Trop belle. Vous avez Hello Fall. Ce sont uniquement des petites plaques comme ça. Vous voyez. La petite plaque, trop belle. Franchement, trop mignonne. Comme ceci. Farm. Enfin voilà, trop jolie. Vous avez Pumpkin Patch. Voilà. Vous avez... Non, il y en a... franchement, il y en a plein. Hello Fall, depuis le temps que je recherchais ce style de plaque, franchement j'ai même essayé de les faire moi-même, impossible. Et là vous avez une petite couronne avec plein de petites pumpkins à mettre dessus, petite citrouille, oh, comme ceci. Et vous avez sinon des petits supports comme ça pour mettre vos plaques dessus, c'est au choix, soit vous les mettez sur les petits supports, soit vous les mettez directement dans votre saladier sur étage, là je vais vous montrer ça de toute façon. Quand je vais faire ma vidéo déco d'automne, alors je vais en mettre sur le canapé, je vais en mettre sur le lit dans la chambre, je vais en mettre dans la chambre, dans les chambres des enfants, je vais en mettre un petit peu partout. Je vous montre, donc là c'est vendu par 4, là dans le premier lot vous aviez ce modèle là, trop mignon, je sais pas si vous voyez bien. Celui-ci, je vous montre assez rapidement, après il y a plein de modèles différents, moi j'ai choisi ça, mais franchement il y a tous les styles, hein. Il y a tous les tons, vous avez dans les tons roses, dans les tons bleus, dans les tons orange, voilà, vous avez dans les tons, enfin il y a tous les tons en fait, noir et blanc si vous préférez faire du noir et blanc, enfin vraiment il y a tous les tons. La feuille d'érable, trop belle. Après j'ai pris un autre set de 4, celui-là j'aime trop, il est vraiment très apaisant, je pense que je vais le mettre dans le salon mais je suis pas totalement sûre, j'hésite. Vous avez celui-ci à l'intérieur, voilà, avec les deux belles citrouilles. Vous avez une écriture trop jolie, voilà. Ensuite, vous avez le fameux camion typique de récolte de citrouilles. Et vous avez à l'intérieur un autre lettrage, voilà. This is us, notre famille, voilà, notre histoire, notre maison. J'aime beaucoup. Après, j'ai pris un autre set, alors celui-ci, il est un peu plus dans les tons rosés. Voilà,
Il est trop beau aussi, donc peut-être que je mettrai celui-ci en fait en bas. J'hésite entre les deux, celui-ci et l'autre d'avant. Et après, je vais dispatcher pardon, dans les chambres et je vais en mettre un petit peu partout. Mais vous voyez le choix. Alors, vous trouvez ce style de housse un peu partout, pas un peu partout, non, mais sur d'autres sites, mais beaucoup, beaucoup plus cher. Là, c'est vraiment pas cher. Franchement, je me suis dit comment ça va être, parce que c'est la première fois que je commande des housses et je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et franchement, c'est exactement la même chose que ce que j'avais commandé l'an dernier ou il y a 2 ans, je sais plus, et j'avais payé ça une vingtaine d'euros, je crois. Ouais, une vingtaine d'euros. Là, c'était beaucoup moins cher, c'était moins de 10 euros. J'ai pris des tapis pour la cuisine, puisque je voulais en mettre, et ça fait longtemps que je cherche un grand tapis en marbre. Celui-ci, vous avez dû le voir. Je vous l'ai montré, enfin en tout cas, je l'ai installé, enfin, dès que je l'ai reçu, je l'ai installé, pour voir ce que ça allait donner. Et en fait, il a la bonne longueur, il est trop cosy quand vous marchez dessus, il est nickel, il passe en machine. Et j'ai aussi pris celui-ci que j'aime beaucoup, je ne l'ai pas encore essayé du coup, mais je vais le mettre quand il y en aura un qui sera à laver. Kitchen, comme ça. Et vous aviez plein, plein, plein de modèles différents. Franchement, moi je vous montre ce que j'ai choisi, mais vous aviez plein de modèles différents. Il y a des prix tout petits, c'est ça qui est bien avec Shein, c'est que vous avez vraiment plein, plein de modèles. Enfin, c'est trop intéressant et c'est pas cher, vraiment. Donc là, je vous donne un code promo en plus. Donc si ça vous intéresse de pouvoir payer les articles encore moins cher, je vous laisse aller voir dans la barre d'infos et je vous remets de toute façon le code juste là. Comme ça, si vous voulez le voir en avant-première, là, c'est possible. Et je vous note la référence de tout ce que je vous ai montré là. Franchement, il y a des pépites, je suis trop trop contente. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je vous laisse et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.